Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du magazine Metal Industrie du site machine-outil.com. Ulrich Haas revient sur l'histoire de Trumpf en France alors que la filiale française fête cette année ses 40 ans. Voilà, nous sommes maintenant en janvier 2019 et Trumpf fête ses 40 ans en France. Nous avons été représentés par la société Technom et Trumpf a été créé en janvier 1979. On était basé à l'époque à Gonesse, en région parisienne. Très vite, nous sommes installés dans nos propres locaux à Villepinte, c'était en 88. Et notre gérant de l'époque, Jens Grohmann, a entamé plusieurs agrandissements de bâtiments. Après 28 ans, il est parti à la retraite et je suis arrivé en 2007 pour gérer l'entreprise. On a investi dans un nouveau showroom et à la modernisation de notre bâtiment. Aujourd'hui, nous réalisons un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros avec 130 personnes, dont 70 techniciens qui sont présents dans les différentes régions françaises. Trumpf est une société familiale basée à Ditzingen, en région de Stuttgart, en Allemagne. Et nous avons réussi, durant des décennies, de présenter à nos clients des innovations, comme par exemple en 2007, la première table laser avec des propres lasers Trumpf. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.